Bien qu'en différé en raison des élections législatives et locales, la journée citoyenne s'est déroulée à Libreville sur les quelques arrondissements. La grosse satisfaction aurait été pour les autorités sur le travail abattu dans le 4e arrondissement par les équipes de nettoyage affectées, des broussages de quelques espaces verts qui auparavant étaient envahis par les hautes herbes. Chris Angua et son équipe ont dû toucher du doigt sur les avantages et faiblesses de la dite journée consacrée à l'embellissement de notre environnement. Pour ne parler que de faiblesses et autres inconvénients, l'autorité municipale s'est retrouvée dans une position inconfortable au quartier derrière l'hôpital de Mélène, circonscription administrative dont la mairie du 5e arrondissement assure la tutelle. Un compatriote muni d'une arme blanche, la trentaine révolue, s'est acharné sur l'équipe municipale, dont l'objectif étant de respecter à la lettre les mesures gouvernementales. Résultat spectaculaire, aucune journée citoyenne n'a pu se tenir dans cette partie de la ville. La colère de l'indélicat a de suite obligé le deuxième maire adjoint de la commune de Libreville et toute son équipe non seulement à rebrousser chemin, mais aussi à mettre un terme à cette étape, une action qui aurait pu être évitée si les agents de force de l'ordre avaient escorté l'équipe municipale dans cette tâche qui, aux yeux du monde, paraît facile, alors qu'au fond, les risques sont énormes.